Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, hop, on met juste la lumière, que j'ai oublié, voilà. C'est un unboxing d'Alan Arclab qui fait suite au précédent unboxing, celui de Descendant of the Volcano. Donc c'est la deuxième toile d'Halloween que j'ai prise chez DAC. Et celle-là, bon, c'est un artiste dont j'ai acheté pas mal de toiles et où à un moment donné toutes les toiles qui sortaient me plaisaient. Là maintenant j'ai un peu ralenti, ça faisait un moment que je n'avais pas acheté parce que je trouve que les toiles, les thèmes sont quand même assez répétitifs et pas toujours à mon goût tout simplement, où j'avais pas envie d'avoir plus de toiles de cet artiste là parfois aussi. Donc là c'était une petite toile, ça permettait de compléter Descendant of the Volcano. S'il y avait eu que celle-là, je pense pas que je l'aurais prise. Voilà, je me serais dit bon bah tant pis, je prends pas de toile, voilà. Mais il fallait que je complète. Celle-là était là, elle était en réduction parce que c'était une toile d'Halloween, c'était le moment, donc j'en ai profité. Et vous voyez, c'est un bébé, c'est une bébé boîte, elle est toute petite. Et donc, si vous avez suivi l'antidacte, vous savez peut-être que c'est une toile de Spangler. Eh oui, Randall Spangler, moi et Randall Spangler, une grande histoire d'amour. Même si je lui ai fait des petites infidélités ces derniers temps. C'est une toile en diamant rond, donc tout le kit de diamant rond, stylet, barquette, cire, squishy, sachet, multiplaceur, pas de pince. Et on va ouvrir cette bébé toile, regardez-moi, je viens de faire l'unboxing de Descendant of the Volcano en 70 par 88. Ah, celle-là, elle fait toute petite à côté. C'est un bébé toile. Ah bah, ça c'est le truc qui est sorti en premier, non pas le... La toile, voilà. Alors, on va la détendre, cette bébé toile. C'est une toile vraiment toute petite, pourtant t'as pas trop envie. En plus, en rond, elle va aller hyper vite. Je vous la mets comme ça. Et je vais vous montrer ce que c'est. Il s'agit de la toile Jake O'Lantern Time de Randall Spangler. Je pense que c'est un détail d'une autre toile plus grande. Je le trouve fort mignon. Voilà, c'est une 41 par 41, c'est tout petit. Mais il y a quand même 42 couleurs avec 3 AB. Un jaune pâle, un orange, un blanc. Au niveau des symboles, je pense que ça devrait aller... Oh, ça c'est nouveau, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu cette espèce de symbole-là. Omega ou je sais pas quoi. Ouais, non, les symboles, ça devrait aller. On regardait la toile, ça fait longtemps que j'ai pas découvert une Spangler, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh, les tuyaux! Le layout fait un peu bizarre avec les couleurs, mais c'est souvent le cas maintenant sur les diamants ronds, j'ai remarqué. Ah, j'enlève le reflet, voilà, là, vous pouvez la voir sans problème en entier. Elle est vraiment toute petite. Voilà. Alors, le collant. Comme d'habitude, nickel. Si je vais arriver à vous montrer les symboles, vous voyez, symbole, aucun souci. Hop, hop, voilà. Alors, ensuite, au niveau des blocs confettis, bon, écoutez, ça ressemble, enfin, je vois pas de confettis spécialement, il y a un peu des lignes là, mais sinon, c'est vraiment du bloc, des lignes. Ouais, du bloc et des lignes. Puis c'est du rond, ça va aller hyper vite. Au niveau des AB, le 1, le 129. Alors, je retrouve, on m'aurait retrouvé ici, mais non. Alors, le 1, le 129. Où est-ce qu'il est mis? On a un tout petit peu dans ces cornes, là. Encore que dans celle-là. Il y en a un petit peu ici pour souligner son museau, là, sa narine. Il y en a dans les yeux. Voilà, dans les yeux un peu de la Jack O'Lantern. Attendez, j'ai comme un doute tout d'un coup. Ah bah oui. Oui, c'est bien ça, c'est bien ce qui me semblait. Non, j'ai dit une bêtise, oui, il y a 3 AB. Ouais. Mais vous voyez la taille de cette toile hein. Pourtant, j'ai du noir, glow in the dark, et j'ai un orange glow in the dark. Donc il y a 5 diamants, 3 AB, 2 glow in the dark, dans une toile 41 par 41. C'est aussi ça qui m'avait décidé à la prendre, je m'en souviens maintenant. Voilà, ensuite le 2, le 132, ça c'est dans la citrouille qu'on en retrouve. Principalement, je pense que c'est le seul endroit où il y en a. Le 3, le blanc, le 141, il y en a un peu ici. Il y en a un peu là dans la toile d'araignée de la citrouille, dans les yeux de la citrouille, dans son nez. Dans les yeux du petit dragon. Ici,
Ça doit être une toile d'araignée aussi. Oui, c'est une toile d'araignée ici et là. Ah, mais tu mets le petit araignée au bout. Ah, mon dieu, il y a l'araignée sur la main, j'avais pas vu. Et ensuite, maintenant, les E. Donc, le E3. Ah, ouais! Ah, il déconne pas! Le E310. Oh, mon dieu, les gens, vous voyez tout? Tous les contours? Hein, tout ça, là, tout, toutes les grosses portions du chapeau, tout ça. Tous les contours noirs, vous les voyez? Eh ben, tous les contours noirs, c'est du noir glow in the dark. Se fout pas de votre gueule, hein. Ah ouais, et le S, le E742, donc c'est du 742 glow in the dark. Là, c'est la lune. La lune, elle va glow in the dark en plus de tous les trucs. Ça va être trop beau. Ça va être trop, trop beau. Sans déconner, ça va être trop beau. Ah, excusez-moi, il n'y en a pas ailleurs. Écoutez, franchement, cette petite toile, il vous prouve que ils font des petites toiles, mais ils vous les font petits oignons. Parce que là, c'est tout le noir. J'en reviens pas, quoi. Entre le noir et les AB, et après c'est la moitié de la toile qui est en diamant, pas normaux, machin. Et waouh, quoi. Enfin, peut-être pas la moitié, il y a un bon tiers. Un bon, bon tiers. Donc ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Là, pour le coup, je suis bien hypée par cette petite toile. Je suis bien hypée. Du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Je vais retourner la toile, et on va regarder les diamants ensemble. Est intéressant. Ça fait bizarre d'avoir que deux ribambelles et aussi peu de diamants. Alors, voyons, on commence ensuite le E310. Donc, vous voyez, deux gros sachets de E310. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de 310 normal. Bon, s'il n'y a pas de 310 normal, ça ne me fera pas la même connerie. Je ne ferai pas la même connerie que sur le Cheshire. Non, pas sur le Mad Kitty. Et où je me suis retrouvée à mélanger mes E310 et mes 310 en remplissant mes trucs, mes pots. Donc 334 ensuite. E742, voilà. Donc ça, c'est pour la lune. L'orange glow in the dark. 895, 947, 322, 301, 900, 905, 400, 647, 904, 740, 498, 300, 890, 312, 3776, 906, 646, le AB141, il est là. Vous voyez, très très joli. Ensuite, on va y arriver. Et, dans le temps. Hop, voilà. Non, toujours pas, c'était le bon sens avant. Oh là là, je fais n'importe quoi les gens. 3755, 3799, 413... 129, 814, 129, attendez, ben oui, 129, c'est le AB jaune. C'est le AB jaune. 321, 165, 3855, 938, 823, 550, 132, le AB orange. 3836, 820, 648, 3778, 907, 977, 3052, 3835, 327. Voilà, ben donc ça achève cet unboxing de cette commande d'Halloween sous le signe des dragons entre Descendant of the Volcano et le Jack-O-Lantern Time. N'oubliez pas, si vous commandez pour la première fois sur Diamonder Club, il y a un code affilié que vous pouvez utiliser pour avoir 15% de réduction dans la barre d'infos. Les toiles sont très souvent commencées et on décide d'AB ensemble en live, je le réalise en partie en live, tous les lundis, mercredis et vendredis à 20h30. Rejoignez-nous, le lien est dans la description, avec les liens de la boutique Etsy, du Discord de la chaîne pour venir papoter tous ensemble et de la page Facebook. Et voilà, il me reste à vous souhaiter les gens une bonne journée, une bonne soirée. Vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!